Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mes amis les cancers. Ce sera votre tirage aujourd'hui pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va regarder ça ensemble. Donc, comme on est bien dans les datations, ce sera une prévision actuelle vraiment, parce que les tirages de décembre étaient faits vraiment en avance. Et là, ce sera des tirages avec des énergies beaucoup plus précises. Le tirage sera fait donc de la date du 15 au 30 décembre, 31 décembre 2021. Ce tirage est pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, parce que je vais de l'autre sens du zodiaque. Je remonte vers les, j'ai vu les lions, maintenant les cancers et peut-être les gémeaux si j'ai le temps, parce que je vais faire aussi une guidance pour le 12-12-2021, voir quelles sont les énergies qui ressortent pour cette journée portail importante qui va aller jusqu'au 21 décembre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de dates importantes, c'est ce mois de décembre. On peut, ouais, si on veut faire les pleines lunes, les nouvelles lunes, les 12-12, les portails, le 21, le 24, bon, il y a beaucoup de dates à faire, à voir. On va commencer donc par les cancers. Bienvenue à vous. Il y aura une carte ici par le petit oracle de la création qui va vous donner un message général. Et ce sera donc pour les cancers du 15 au 31 décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc je finis, j'essaie d'avancer un petit peu pour les tirages du 15 au 31 décembre parce qu'on y est. Si je n'ai pas eu le temps de finir certains tirages de 2022, c'est moins urgent. Donc c'est pour ça que je finis d'abord ceux-là. Il y en a qui m'ont demandé, il manque deux signes pour 2022. Mais je vais essayer de les faire le plus rapidement possible. Hier, je n'ai rien pu faire. Malheureusement, j'ai eu du retard parce qu'on a eu une panne d'électricité toute la journée. Donc, je vous le dis. Ici, les cancers, alors on nous dit attention à la bataille, champ de bataille, à l'anarchie. Bon, depuis que mes roses imposent leur loi, que la mauvaise herbe revendique ses droits. Ma splendeur d'antan s'en est allé. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Bon, ça veut dire que chacun avait son propre territoire quelque part. Mais là, il y en a qui pourraient empiéter sur votre vie, votre... lieu, votre stature, votre travail. Ouais, il y en a qui revendiquent le droit de se mettre à votre place. Alors, il faut vous affirmer et définir des règles précises. Là, c'est comme si quelqu'un, voilà, voulait avancer, prendre votre place. C'est des messages importants, hein. Donc, c'est possible, cette deuxième partie de l'année, faites attention que des gens ne veuillent pas empiéter sur votre territoire, sur vos décisions, sur votre famille, sur ce qui se passe en fin d'année. Il y a pas mal de choses, hein, le travail, la famille, les fêtes, etc. Toujours, cette carte-là a beaucoup d'importance dans le jeu. Je vais prendre deux cartes d'énergie ici. En tout cas, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne où c'est marqué « Abonner » et de cliquer la cloche qui est en haut à droite. Sinon, vous ne recevez pas les notifications. D'accord? Merci beaucoup, beaucoup. Alors ici, on demande pour les cancers. Semaine du 15 au 31 décembre 2021. Cancer, semaine du 15 au... au 31 décembre 2021. Quelle énergie, semaine du 15 au 31 décembre 2021. Je prends deux cartes de cet oracle et ensuite deux cartes de l'autre oracle. Je vous invite à bien écouter, je dirais, toute la guidance parce que tout se suit. Ce message va suivre avec ce message-là, avec les messages-là, avec le tarot. Ensuite, je ferai avec trois oracles. On nous parle de stratégie. Et le magicien et le miroir. On parle ici d'organisation. Organiser votre fin d'année sera importante. On nous dit de bien être stratège, de poser ses pions, hein, de poser ses limites. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Sinon, ça va créer l'anarchie. Parce qu'il y a des gens qui, on dirait, voudraient prendre la place sur vos acquis, votre vécu, votre maison, votre place, votre organisation. On dit de bien vous organiser et de bien poser les stratégies d'action, de limites.
Et le magicien et le miroir nous dit que vous pouvez créer certaines choses. C'est l'énergie de la création du magicien, mettre de la magie aussi pour cette fin d'année. Et le miroir, c'est aussi dans ce jeu-là, je te renvoie, vous allez peut-être renvoyer, on va dire, l'ombre ou la lumière de certaines personnes avec le miroir. Hein, donc, par la parole, ça peut être aussi remettre certaines personnes en place. Hein, vu que ce que j'ai eu avant, ça parlerait bien de remettre certaines personnes en place simplement par la parole. Ça peut être vous qui remettez les gens en place en disant les quatre vérités, donc le miroir d'une personne, en lui disant voilà ce que je vois de toi, de positif ou de négatif. Hein, le miroir, c'est ça. Je te renvoie ce que tu fais, mon cher ami. Donc le magicien, il peut faire beaucoup de choses. Le cancer, on va demander ici avec toujours les mêmes dates, du 15 au 31 décembre. Signe des cancers du 15 au 31 décembre. Signe des cancers, 15 au 31 décembre. J'ai beaucoup de vidéos en retard, je voulais faire la vidéo de la semaine, je verrai si je fais ça demain. Alors, cancer, 15 au 31 décembre, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Quelque chose qui se prépare, ouais. Il y a comme... Alors, ces cartes nous parlent d'une organisation, d'une transformation, sortir de l'anarchie. Moi, je vous dis, essayez de vraiment bien planifier votre fin d'année. Organisez-vous, travail, famille, d'accord? Ou autre, vacances. Organisez bien les choses. Parce qu'on parle de quelque chose qui se prépare aussi, qui est en vous. Il y a des femmes enceintes qui peuvent être en gestation pendant cette période ou apprendre une grossesse. Ou c'est un projet qui se prépare aussi pour ces fins d'année ou qui se prépare maintenant pour plus tard. Et on nous dit ici aussi que il y a un grand changement qui va s'opérer hein, en cette fin d'année. C'est la mort, la renaissance, la carte 13. Quelque chose qui se termine. Donc là, on a quand même deux messages différents. Ce qui se termine, c'est peut-être que vous posez vos limites maintenant. Ce qui se termine, ça peut être ça. Hein. Vous changez d'attitude. Je me laisse plus marcher. Depuis que mes roses imposent leur loi, que la mauvaise herbe revendique ses droits, hein, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est bon maintenant de définir des règles à respecter. Ça peut être vraiment vous qui avez une affirmation, une organisation plus claire. Bon, je vais voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, une situation qui se termine, mort, renaissance. Assez profonde, cela on renaît avec les ailes de papillon, on est beaucoup mieux, on renaît positivement. Renaît, c'est un autre terme, c'est un terme particulier, mais on a un nouveau moi qui se présente à nous. Je vais voir avec le tarot. Quel message pour les cancers du 15? Qu'est-ce qui va se passer? Moi j'aime beaucoup le tirage tarot. Ok. 15 au 31. Vous êtes protégé avec cette belle carte. Hein? Il y a la vie ou un projet qui est en train de prendre place. Il y a un changement. C'est comme si vous alliez, par exemple, être une femme sans grossesse et passer à un stade de mère. Vous voyez, un changement important. Alors, ce qu'on nous conseille pour ce mois, pour cette dernière période de l'année, c'est de faire activer la roue. Il faudra agir. On a la roue de la fortune. Donc, si vous voyez que ça ne bouge pas ou que ça traîne, il vous faudra l'activer. Ça parle de changement.
Il y a effectivement des changements, hein. Il y a vraiment des changements. Donc, sachez que ces 2 prochaines semaines, beaucoup de choses vont être différentes. Organisez-vous bien, faites bouger les choses, faites-les bouger, activez-vous et ce sera dans le bon sens. Là, effectivement, on pourrait nous dire que vous manquez d'énergie, de peps ou de courage pour affronter certaines choses, pour organiser ou avoir la force ou le courage de... Il y a de la préparation à faire ici, hein. Sinon, c'est l'anarchie, hein. Avec la justice, donc, ce que ça nous dit en dominante, c'est qu'il va falloir vous, à nouveau vous organiser, garder certaines choses, jeter certaines autres. On définit une situation, une organisation et on garde pas l'autre. On tranche avec la justice. Ou pour certains, bien sûr, c'est une affaire en justice qui dominera avec une réponse qui vous arrive, qui sera positive. On a la réponse de la patience. Donc c'est un petit peu comme si ça traînait avec le lion ou le tigre en contre qui n'a pas de force, pas de courage. En réponse, c'est patience, tempérance, ça traîne un petit peu. Donc on vous conseille d'activer les choses, les cancers. On vous conseille d'activer la roue qui vous portera bonheur. On va regarder avec les oracles. J'ai oublié de prendre une carte principale d'oracle ici. Je prends avec la triade. Quel message principal pour les signes des cancers? Le signe des cancers pour eux, le 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre. Pardon. Et regardez bien la vidéo parce que j'ai vu, par exemple, sur 30 minutes, on regarde 5 minutes. Ça m'étonne un petit peu ça. Cancer du 15 au 31 décembre, une énergie principale. Je prends une carte. Qu'est-ce que va définir? Oui, il y aura des choix à faire. Ok? Donc, organisation. On coupe certaines choses, on jette l'autre. Il y a du changement important. On va regarder avec les oracles qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Donc, plus dans la matière. Ouais, vraiment l'organisation. Là, le magicien, le miroir, ça me dit pas seulement il y a quelque chose qui va commencer comme la carte du magicien, c'est plus vous pouvez gérer les choses ou donner de la magie à certaines situations, mais aussi montrer en face certaines vérités aux gens. Signe des cancers, qu'est-ce qu'on a comme message du 15 au 31 décembre? Il y a justement ce choix. Vous devrez prendre une direction. Alors, n'hésitez pas en commentaire de dire dans quel domaine il y a une direction à prendre, parce que sinon c'est l'anarchie. Il y a des gens qui empiètent sur votre peut-être travail, votre activité, votre maison, votre famille. Il y a une situation dont il faut vous séparer. Vous avez peut-être avancé avec, mais il vous faut prendre un nouveau chemin. Il y a une séparation d'avec quelqu'un. Cancer du 31. Des cancers. Il y a effectivement, il y a une coupure avec quelqu'un, quelque chose. Hein. Il y a vraiment la notion, là, on nous le dit. Il faut couper. La justice, elle l'a bien dit en dominante. Il y aura une rupture, une fin. C'est ça. La mort, transformation. Mais prenez les choses en main parce que je vous dis, si vous ne faites pas, vous laissez faire. Le conseil du tarot nous dit, si vous laissez faire, ce sera l'anarchie, le bordel. Pardon. 15 au 31 décembre. Si j'ai pas d'autres cartes, on va regarder la coupe pour les signes des cancers. On nous parle de votre foyer, de votre relation. Alors, ça peut être compliqué au niveau sentimental. Hein. Ça peut être compliqué. Il y aura peut-être un des deux, là, d'ici la fin de l'année, vous allez prendre un chemin différent. Hein? On voit la coupe là, possibilité de prendre un chemin différent. On va voir si ça concerne la relation. Parce qu'on nous dit ça va pas, ça. Cancer, 15 sur 31
décembre. Il y a du danger. Il y a encore cette notion. Alors, vous êtes peut-être en procédure de divorce pour certains cancers. En procédure de séparation ou en justice. On va dire ça vu que ça domine et ça sort ici. Vous êtes peut-être en justice par rapport à un divorce, par rapport à une séparation de biens, par rapport à une séparation de maison. On nous dit faites attention, hein. Gérez bien cette activité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la stratégie, de l'intelligence, parce que sinon il y a du danger qui peut vous tomber dessus, ou vous êtes mal organisé, ou vous êtes flemme, et vous laissez la chance à l'autre partie. Vous allez être aidé par des personnes ici. Il y a des gens qui vous entourent, les cancers, qui vont vous aider. D'accord? On continue avec l'oracle de G. Cancer pour la période du 15 au 31 décembre 2021. Il y a des personnes qui sont fausses ici. Le lynx, c'est la personne fausse, c'est la personne indépendante, c'est la personne qui peut tromper aussi. J'ai vu l'arme, j'ai vu la dague qui est sortie, qui s'est tournée. J'ai la justice qui ressort à nouveau. Je pense qu'il doit y avoir une séparation cette fin d'année, hein. Ou remettre un équilibre, ou c'est vous qui allez simplement décider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, est-ce que c'est vous qui décidez une séparation parce que ça ne va pas, vous posez des limites à une personne qui empiétait sur votre vie. Il y a effectivement ici une personne qui est pas honnête, ça c'est une personne indépendante ou infidèle. On nous dit à nouveau, remets de l'équilibre dans cette situation, vraiment, et je pense que vous allez vous quitter, vous séparer. On sert... 15 au 31 décembre 2021. Ok. Prends un autre chemin qui va être super positif. Je regarde la coupe, mais j'allais la poser. Une coupe. On prend un nouveau chemin qui vous amène à l'abondance et de l'argent qui rentre. Fin d'année. Peut-être le procès, peut-être en justice, pour récolter quelque chose là, hein. Chemin, argent, vous voyez, pas mal, c'est pas mal, ça peut venir de la justice parce qu'il y a eu des personnes infidèles, il y a de l'infidélité avec le lynx. On pense beaucoup à cette situation quand même en cette fin d'année. Ben c'est vrai que si ça arrive maintenant, vous attendez des nouvelles de la justice, vous allez les avoir, je pense, avec des dommages et intérêts. Ça parle pour moi quand même de quelque chose en relation avec un couple ou pas forcément. Il y avait la fusion et la maison avant, hein, la fusion à la coupe, donc oui. Sinon, ça peut être vous face à une relation que vous avez, peut-être aussi professionnelle. Ou une relation quelconque avec autrui qui amène du danger. Si on continue avec elle, la relation est gelée, totalement gelée. En agissant, vous allez évoluer positivement. Il y a une belle évolution qui se passe pour vous. C'est ça, la transformation, c'est qu'on évolue. Il y a quelque chose qui se profile en vous, qui est en gestation, qui sera nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau pax, un nouveau lien, si c'est dans le travail, une nouvelle association. Je veux voir avec la triade pour les cancers. Quel message pour la période du 15 au 31 décembre 2021. 15 au 31 décembre 2021. Pour les cancers. 15 au 31 décembre 2021. Pour les cancers. Derrière le soleil, derrière les racines, il y a le soleil. Il y a des ennemis, hein. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous. Utilisez de stratégie. Là, le miroir, c'est vous montrer la mauvaise face de la personne. Elle empiète sur votre vie. Champ de bataille, anarchie, quelqu'un de mauvais, de malsain ici. Avec les racines, ça nous parle à nouveau de l'évolution, hein. C'est l'arbre de Séphiroth, c'est les chakras, c'est l'évolution. Vous allez évoluer.
Vous allez avoir la lumière parce que vous allez agir. Il faut absolument agir face à cette personne, la mettre de côté, et parce qu'il y a quelque chose effectivement qui naît de nouveau derrière. Et ça peut être un amour nouveau, un projet nouveau. Donc il y a une personne qui n'est pas bonne, hein. Ben voilà, hein. Mon âme, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Les cancers du 15 au 31 décembre. Il faut vraiment s'entourer avec les bonnes personnes de cœur. On n'osait pas trop à l'époque, j'ai l'impression, de poser plus nos limites. On va retourner les cartes, je vais ramasser les autres. Donc, action, je vous ai dit. Agissez, trouvez les solutions. Il y a bien une coupure, il y a bien une rupture. Par rapport à des doutes et à la naissance par la suite. Oui, j'ai des cartes qui sont tombées. On me parle d'illusion, on me parle de... Ouais, d'illusion. Vous êtes peut-être fait de fausses idées sur quelqu'un. De silence. Donc là, action. Je le répète, les cancers, si vous ne bougez pas, ça ne va pas bien se passer. Ou il y aura une cassure. On parle d'une cassure quand même importante. Moi, je pense à un lien. Si ce n'est pas amoureux, voyez comment ça résonne pour vous. Il y aura des solutions à trouver. La solution, c'est déjà d'agir, c'est de rompre pour moi. C'est de rompre. Sur une situation où vous aurez peut-être des doutes, vous n'aurez pas trop, ou vous avez déjà des doutes depuis un petit moment sur cette personne, et pensez à le faire parce qu'en vous, il y a déjà une nouvelle idée, une nouvelle amour, un nouvel amour, une nouvelle situation qui est en train de se préparer. Donc là, il peut être le papillon bientôt avec ses ailes déployées. C'est très joli ces deux cartes. C'est vraiment le cocon qui se développe en papillon. Et il vous faudra cette fin d'année, les cancers, couper, prendre une nouvelle route d'avec quelqu'un qui avait autour de vous. On va demander ici avec les cartes pour l'amour, donc les cancers du 15 au 31 décembre 2021. Pour l'amour, peut-être ça sort un peu la même chose parfois. 15 au 31 décembre pour les cancers. Restez jusqu'au bout pour votre message angélique, votre conseil des anges qui est souvent très pertinent, comme cette première carte. Je vous dis, hein, elle donne vraiment le ton du tirage, hein, et j'aime beaucoup. 15 au 31, merci pour vos retours d'après le domaine que ça peut. Ça correspond. Alors, pas de carte qui veut sortir. Comme regardez la coupe. On nous dit qu'il y a un problème de, comment dire, de lien. Comme si le lien était coupé. Et il faut écouter votre intuition. Vous avez la connaissance, vous sentez ce qui se passe. Vous allez trouver la solution de ce qu'il faut faire. En amour, 15 au 31 décembre. En amour, ouais, il y a à nouveau cette carte. Il y a ce, de co-create, ça veut dire qu'il manque de la co-création entre vous deux. Il manque un lien de soutien dans votre relation. Vous vous sentez seul, j'ai l'impression. Ou quelqu'un qui vous marche sur vos plates-bandes, comme je vous ai dit, qui domine. Et ça ne va plus. On va couper tout ça en cette fin d'année. On échange les cadeaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, en amour avec vos amoureux, vos enfants, votre famille. On dit d'être souple, mais dans la relation de couple, hein, ce n'est pas forcément ce qu'il y a en dessous. Écoutez votre intuition, besoin de repos pour certains. Et puis, il faut faire du ménage aussi de certaines personnes autour de vous. D'accord? Du ménage. Bon, il n'y a pas grand-chose en amour qui nous dit quelque chose d'important. On a surtout le message qu'il y a un lien, mais où l'autre ne fait rien. Un peu un profiteur, un menteur. Le lynx, c'est le malin un peu. L'indépendant, l'infidèle. Et il n'y a pas de lien. Ok? La souplesse. En amour, il y aura des échanges de cadeaux. On me dit de prendre du repos, de nettoyer les mauvaises personnes autour de vous et d'être quand même dans la souplesse et non dans le conflit. Un conseil pour les
Cancer, un conseil pour les cancers. 15 au 31 décembre, 15 au 31 décembre. Donc, n'hésitez pas vraiment à commenter. Si vous désirez une guidance personnalisée pour vous, je propose aussi des bons cadeaux. Vous m'écrivez sur le mail sous la vidéo, vous demandez un bon cadeau et je fais moins cher, 5 euros de moins pour les fêtes, donc les tirages à 30 ou à 20 euros. Vous marquez pour vous ou pour votre ami. Cadeau de fin d'année. Conseil pour les cancers, je prends celle-ci. Dans les prochains mois. Je pense qu'il y a un renouveau important dans les prochains mois. Il y a quelque chose qui se profile de manière importante ici. D'accord? Qui se prépare pour vous. Mettez toutes vos chances de ce côté pour que ça prenne une bonne direction. Voilà mes chers amis cancers. Merci pour votre retour et bonne fête de fin d'année. À tout bientôt. Au revoir.